Je vous ai réalisé ce maquillage-là uniquement avec des produits oubliés des anciens favoris. Ça fait suite à une suggestion que j'ai eue sous une de mes dernières vidéos de quelques personnes. Et je trouvais que c'était une très bonne idée, j'avais déjà fait ça il y a quelques années. Et du coup ça m'a permis de redécouvrir des produits que j'ai adorés, que j'avais un petit peu oubliés. Avant de commencer, cette partie de la vidéo est en collaboration avec La La Lab, puisque c'est bientôt la fête des mères et la fête des pères. Pour info, la fête des mères c'est le 4 juin cette année et la fête des pères c'est le 18 juin. Et donc vous avez toute une collection Fête des mères et fête des pères sur La La Lab. La La Lab, si jamais vous ne connaissez pas encore, c'est une application qui vous permet de faire des tirages sous forme de livres, de cadres. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, vous avez aussi des photos individuelles, des boîtes à photos et tout. Je trouve que c'est une super idée quand vous faites des voyages ou pour certaines occasions, notamment la fête des mères et la fête des pères, c'est vraiment parfait. Moi j'ai fait plusieurs livres parce que je vais en donner un peu à toute ma famille. Je vais vous montrer, j'ai pris tous les articles, comme ça je peux tout vous montrer. L'application est super facile à utiliser, vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup, vous pouvez enregistrer, revenir plus tard, etc. Il y a vraiment de tout, vous pouvez faire des livres avec peu de photos. Moi j'ai pris le minimum à chaque fois pour pouvoir vous montrer le plus d'articles possible, mais vous pouvez faire des livres un peu plus gros, des boîtes à photos, etc. Déjà on va commencer avec les petits carnets souples comme ceci. Il y en a deux différents, donc ça c'est version fête des mères et ça c'est version fête des pères. Alors à l'intérieur il y a que des photos de ma nièce puisque bon j'ai pas mis des photos de moi pour donner à mes parents, j'en ai fait pour le père de ma nièce, pour ma sœur, pour mes parents et pour ma grand-mère et ma marraine aussi. C'est pour ça que j'ai mis que des photos de ma nièce, c'est des photos qui sont similaires à l'intérieur. Je vais pas vous montrer forcément la tête de ma nièce, donc ce sera un peu flouté, mais je vous montrerai un peu la qualité. Il y en a un seul que j'ai fait avec Daphné, donc ça je vais pouvoir vous montrer. Par exemple, donc dans les carnets souples, vous avez un fini qui est mat, comme ceci, et les pages sont assez rigides. Ensuite vous avez le format de livre carré comme ceci, donc version fête des pères, version fête des mères. C'est la même qualité de papier hein, dans les deux, donc je vais vous montrer celui-ci parce que c'est celui que j'ai fait avec Daphné, le papier est mat, mais à savoir aussi que vous pouvez personnaliser le fond ici si vous voulez rose, vous pouvez rajouter des emojis, vous pouvez rajouter aussi des textes, etc. Moi je ne l'ai pas fait, j'ai laissé vraiment tel quel. Vous pouvez organiser les photos dans l'ordre que vous voulez, etc. Enfin, c'est totalement personnalisable à 100%. Il y a aussi cette version-là en format portrait, donc ça, ce sont les deux illustrations disponibles. Au niveau de la qualité du papier, c'est pareil, c'est mat ici, les pages sont assez rigides, un petit peu comme dans les précédents. On a un format portrait souple comme ceci, je le trouve trop joli celui-là avec tous les petits cœurs. Au niveau des pages, c'est la même qualité, et on a enfin celui-ci qui est en format paysage, pareil avec les petits cœurs comme ça, je les trouve vraiment sympas ceux-là. Je vous montre la première photo, rare photo de moi portant un enfant. Voilà, c'est la seule que je porterai jamais, que je toucherai jamais, c'est ma nièce. Les autres, je les approche pas. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est une super idée de cadeau. Ça fait toujours plaisir d'avoir les photos imprimées, je trouve, parce que maintenant, on a vraiment l'habitude d'avoir notre téléphone, on prend des photos partout. C'est vraiment plus comme avant, il va falloir faire développer les photos. Mais au final, les photos développées, c'est vrai que les souvenirs restent plus facilement, on a plus tendance à les regarder plus facilement que dans notre téléphone, l'avoir scrollé. Donc c'est sympa, surtout pour vos grands-mères ou pour vos mères, enfin pour nos parents qui ont plus l'habitude de ce style là. Et même pour nous, enfin en vrai moi j'aime trop, hein. J'en ai tellement des souvenirs, des livres souvenirs comme ça, enfin bref j'adore ça. Donc j'ai un code qui est valable pendant un mois, si jamais vous n'avez pas encore fait vos cadeaux, ça peut être une très très bonne idée, et vous avez 30% pour les nouveaux, pour les anciens clients, c'est vraiment pour tout le monde, sans minimum d'achat. Il est valable donc pendant un mois avec 30% de réduction et c'est tout simplement Marion30. Vous avez le récapitulatif de l'offre dans la barre d'infos avec le lien directement, et on va pouvoir passer au tuto. Je vais commencer par la base, et j'ai ressorti la base Primed and Poreless de chez Too Faced que j'ai utilisée mais pendant des mois d'affilée. Ça fait longtemps que je l'avais pas sortie, mais je l'ai gardée parce que c'est vraiment une base que j'aime beaucoup. Elle a cette texture là assez épaisse, on va dire. Elle est vraiment super bien pour flouter la peau, et en été c'est vraiment une de mes bases préférées. Elle fait la peau toute douce. Et ensuite alors pour les fonds de teint, je tourne beaucoup parce que les fonds de teint ça tourne, enfin ça périme assez vite, et je change souvent, donc ma collection tourne, je garde jamais les produits très longtemps. Mais un fond de teint que j'ai pas mis depuis longtemps et que j'ai beaucoup utilisé, c'est le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Franchement, je l'ai adoré ce fond de teint, et ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas mis. Donc j'ai pris la teinte 1N et je vais l'appliquer avec mon éponge. Donc c'est un fond de teint qui a une couvrance médium à élevée. Vous pouvez le appliquer deux couches si jamais vous voulez que ce soit un peu plus couvrant. Et vraiment, bon, de toute façon, les produits Charlotte Tilbury, je trouve qu'en teint,
ils font vraiment partie des meilleurs, si ce n'est vraiment les meilleurs, enfin de tous ceux que j'ai testés en tout cas. Après, les autres produits, genre les produits yeux et tout ça, je trouve pas qu'ils soient incroyables, mais vraiment les produits teint, je les trouve trop bien. Bon, j'espère que je vais pas trop marquer, parce que là en ce moment, je mets vraiment que des produits ultra hydratants et tout, parce que j'ai ma peau qui est super sensible. Et du coup, elle est très déshydratée, très sèche à certains endroits. Ici, je vois que ça commence un peu à marquer, mais bon, écoutez, tant pis, de toute façon, maintenant c'est fait. Au niveau de l'anti-cerne, un anti-cerne que j'ai pas mis depuis très longtemps, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Alors là, j'ai pris la version ultra creamy, encore une fois, parce que j'ai la peau vraiment dégueu en termes de barrière cutanée en ce moment. Et la teinte, c'est la 16N Fair Light Neutral. C'est toujours celle-ci que je prenais. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'anti-cernes qui sont sortis, mais à un moment donné, je ne mettais que ça. Je pense que j'ai dû le mettre des années d'affilée et ne pas changer d'anti-cerne. Je l'aime toujours, hein. Après, c'est vrai que la version ultra creamy, maintenant, elle me convient mieux. Mais la version classique, bah, elle est bien quand vous êtes jeune, quoi. Et maintenant, je vais passer à la poudre et j'ai pris la Huda Beauty, la Easy Bake. Alors, vous m'avez vu l'utiliser récemment aussi, parce qu'il y a une nouvelle couleur qui est sortie. Mais ça, c'est vraiment la teinte blanche. Je ne mettais que des poudres blanches avant. Celle-ci et la Anastasia. La Anastasia, je l'ai finie hein, avec Halloween. Et donc, avec ma petite houppette, je vais venir poudrer l'ensemble du visage et le contour des yeux. Donc, je commence par le contour des yeux parce que c'est ça qui bouge le plus vite, comme ça. C'est fait. Là, c'est une petite éponge Amazon que je vous avais montré dans mon dernier haul Amazon, je crois. Ou dans le... Non, dans la vidéo où je fais un maquillage complet avec que des produits Amazon. Donc, elle vient de là-bas. Ça s'achète par plusieurs. Elles sont vraiment très bien. Je préfère les Lindalberg, mais franchement, je les trouve très bien. Elles sont assez souples. Elles sont juste un tout petit peu plus petites que les Lindalberg. Et ensuite, donc, je fais l'ensemble de mon visage. Est-ce que vous vous rappelez de cette palette que j'ai utilisée? Je l'ai saignée. Il y en avait une que j'avais... Enfin, la première que j'avais utilisée. J'avais carrément atteint le pan. Je l'ai changée puisque j'en avais reçu une autre. Donc j'ai jeté l'ancienne et je l'ai remplacée par celle-ci. Regardez, elle est toute neuve. Elle est trop belle. C'est les Turn Up The Light palettes que j'ai tellement adoré. Mais ça, je l'ai déjà dit. Et vous vous rappelez, la teinte Soft Focus, je la mettais, mais... tout le temps. Alors, je vais utiliser un pinceau comme ça, pointu. C'est un de la du kit de Stacy Marie, là. Les Be Perfect, de chez Be Perfect. Bref, je sais plus ce que je dis, mais je vais mettre ici pour illuminer. C'est vraiment... Oh, c'est trop beau. Oh là là, j'avais oublié. Je sens que je vais la ressortir. C'est vrai qu'en fait, il y a tellement de nouveaux lancements que souvent, bah, je fais un roulement dans mes produits et tout ça. Et des fois, j'oublie en fait les produits que j'ai adorés et que je n'utilise plus, que j'ai rangés, etc. Parce que j'ai tellement de choses, même si je trie souvent et que franchement, je dois donner les trois quarts de ce que je reçois. Mais en fait, bah, j'oublie qu'il y avait des trucs que j'avais adorés et que j'ai totalement oubliés. Mais j'aime trop. C'est trop beau. Elle est trop belle. Pour mon bronzer, je pense qu'il n'existe plus. C'est un Marc Jacobs. Je crois que la marque n'existe plus. Mais je l'ai gardé parce que c'était vraiment une de mes teintes préférées. C'est vrai que j'évite de l'utiliser parce qu'il n'existe plus. Donc si vous le voulez, bah, vous ne pouvez plus l'acheter. C'est un peu chiant. Mais c'est le Tantastic en teinte... Non, c'est le Omega Bronze en teinte Tantastic. Et il sentait la noix de coco de mémoire. Ouais, c'est ça. Je l'ai bien creusé quand même. Mais c'était vraiment une grande quantité. Hein. Combien il y avait? 25 grammes, c'est énorme. Et donc je vais faire... mon contouring avec ce bronzer là, donc sur mes zones habituelles, hein, l'ovale du visage ici, qui est la partie que je déteste le plus chez moi. Ensuite je fais mon nez, et je fais mes tempes et mon front aussi, et je fais plus les joues depuis un certain temps parce que j'aime plus ça, mais sinon je le faisais avant. Pour le blush, je voulais retrouver les Hourglass. Je sais plus si vous vous rappelez, je sais plus le nom. Vous savez, les marbrés là, où à un moment donné, j'étais à fond sur ces blushs. Mais j'en avais commandé un marron. J'en avais commandé un au début qui était bien. Et en fait, vous vous rappelez, les marbrés n'étaient pas égales dans tous les fards de la même
teintes, je vais y arriver. Et en fait, il y avait des différences de couleurs parce que du coup, il y avait des marbrures beige dans tous et la marbrure colorée, donc marron, orange, rose, etc. et du blush. Et en fait, quand on mélangeait, s'il y en avait plus de marbrure beige, bah, le blush était plus clair, etc. Bref, vous avez compris. Et j'en avais commandé un marron qui m'avait trop déçu parce que j'avais genre trois pauvres marbrures marron, donc c'était juste pas du tout un blush. Et c'était la période, alors je les ai plus ces blushs là parce que je les ai donnés, je m'en suis séparée, mais c'était la période où je cherchais absolument des blushs marrons, j'étais à fond sur les blushs marrons. Et donc bah, y en a un que j'avais acheté à ce moment là, que j'ai pas, sinon les blushs vous les avez tous vus, enfin je tourne quand même assez souvent et je me sépare de beaucoup de choses. Et le Humour Me de chez MAC, il faisait partie justement de cette quête du blush marron parfait. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop si je vais aimer. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, mais j'étais tellement à fond sur les blushs marron, je sais pas pourquoi. Et au final, alors blush marron ça veut pas dire bronzer, hein. C'est, vous voyez ces teintes là, c'est quand même une teinte de blush. Mais écoutez, bon c'est pas trop mal, ça fait une espèce de petite pêche, j'aime bien. Je vais reprendre ma palette Too Faced pour l'highlighter. Du coup, il y a deux teintes d'highlighter, vous vous rappelez, un pailleté et un celui-là que j'utilisais tout le temps, un plus satiné. Donc je vais prendre le plus satiné qui est donc la teinte Glow. Et je vais le mettre ici. J'ai gardé le même pinceau, celui avec lequel j'avais appliqué la teinte Soft Focus. J'aime trop cet highlighter. Enfin, je crois que là, ça m'a vraiment décidé à ressortir cette palette pour l'utiliser absolument tout le temps maintenant. Je passe un gros pinceau pour éviter les barres. Pour mes sourcils, j'ai ressorti le Brow Freeze qui avait été une révélation pour moi quand il était sorti. Mais je suis passée à autre chose depuis que j'ai testé le original Super Old de Pink Oni. C'est vrai que je l'ai laissé un petit peu tomber. Donc écoutez, je l'ai ressorti, mais c'est vrai que c'était un des premiers produits pour faire les sourcils plaqués qui était sorti, hein, de mémoire. C'est beaucoup plus gélatineux, pas besoin de mélanger avec de l'eau ou quoi. Hein. Et je prends le pinceau qui va avec, mais celui-là vous le connaissez parce que je l'utilise tout le temps encore, même aujourd'hui. Et je vais plaquer. J'avais eu du mal, je crois, à l'utiliser, mais une fois que je l'ai eu dompté, je l'aimais bien. Alors je crois que ce produit-là, c'est soit on adore, soit on déteste. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de « ouais, j'aime bien sans plus ». C'est soit les gens détestent, soit les gens adorent. Écoutez, moi j'aime bien, mais j'avais remarqué après un certain temps que ça tenait moins bien. Et surtout, ce qui est chiant, c'est qu'il faut vraiment attendre que ça sèche, parce que sinon tout retombe. Et s'il fait chaud vraiment l'été, je trouvais qu'il tenait pas très bien. Alors que le Pink Oni, j'ai vraiment pas de soucis qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, aucun problème. Et ensuite, je me sers de la petite spatule, hop, pour bien plaquer. Par contre, le temps de sèche est tellement long, c'est ça que j'avais oublié. Alors qu'avec le Pink Oni, pas besoin de temps de sèche d'ailleurs, il faut pas que je bouge mes sourcils. C'est tellement chiant. En fait, c'est brillant et une fois que c'est mat, c'est là que vous savez que c'est sec. Mais c'est lent. Pff. Surtout quand il fait chaud. Moi, quand il y a du soleil, chez moi, il fait une chaleur à crever. Comme aujourd'hui. Bon, bah écoutez, j'aime plus du tout ce produit. C'est décidé. Je trouve ça bien trop chiant. Alors qu'avant, j'adorais. Maintenant que je sais qu'il y a mieux. Donc, ensuite, pour les sourcils, j'ai ressorti le Brow Pen de chez Anastasia. Ça, j'ai déjà ressorti depuis 2-3 make-up. Parce que je trouve que la teinte va beaucoup mieux avec ma couleur de cheveux actuelle que celui que j'utilisais habituellement. Enfin, en ce moment, qui était le Valentino. Là, c'est la teinte Soft Brown. Elle est un peu plus chaude. Et du coup, je trouve que ça va mieux avec ma couleur de cheveux. Donc, c'est un feutre, hein, liner. Et je vais faire exactement comme je fais d'habitude. Je vais faire des faux petits poils, mais vous voyez, c'est plus chaud que mes poils. Donc j'en mets quand même un peu plus. Disons que je colore quasiment tous mes poils. Toute la surface de mon sourcil. Et je trouve que c'est plus harmonieux avec mes cheveux. Je vais préciser ma forme au niveau du sourcil. Et je vais faire ma base au niveau des yeux avec la base Pelouse. Ça change pas depuis franchement des années. Vraiment des années. C'est toujours la même teinte. C'est la numéro 2. Et franchement, je pense que ce tube, je l'ai depuis 12 000 ans. J'ai toujours pas fini. C'était le tube de 50 ml, je crois. Plus qu'un fond de teint, donc forcément, un fond de teint, c'est 30 ml. Et je vais mettre donc sous mon sourcil et je vais tracer une ligne droite. Enfin, droite, qui suit le bas de mon sourcil pour que ce soit plus net. Parce que j'ai un peu débordé avec le feutre. Donc ça me permet d'avoir quelque chose de plus propre. Et ensuite, je descends. Je descends à peu près, voilà, comme ça. Et ensuite, je prends un pinceau propre, souple, et j'unifie. Et je m'en sers aussi pour descendre sur la paupière mobile, pour
que la base soit vraiment étalée partout, mais qu'il n'y en ait pas trop. Parce que vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai mis le denticerne aussi sur ma paupière, donc je ne veux pas faire de surépaisseur, mais je veux que ce soit uniforme partout. Ils sont absolument pas du tout égaux. C'est pas grave, écoutez. Pour la palette, je vais prendre une palette que j'ai adorée pendant très longtemps. J'ai l'impression que je dis ça à chaque produit, ça doit être vraiment chiant. Mais c'est la Carnival XL Pro de chez Be Perfect Stacy Marie. J'ai fait une vidéo sur la dernière qui est sortie, l'Interstellar, il n'y a pas longtemps. Et du coup, je me suis rappelée que c'était vraiment celle-ci que j'avais le plus utilisée de toute ma vie. Et en plus, il y a un beige qui me convient à la perfection. Donc je vais l'appliquer sur mon arcade sourcilière avec le même pinceau avec lequel j'ai unifié la base là à l'instant. J'ai pris juste l'autre côté du pinceau. Je vais commencer avec la teinte Make Waves qui est un turquoise. Et je vais faire une forme de cut crease. Donc je vais commencer au centre ici dans mon pli paupière. Avec un pinceau 231 de chez Zoeva, comme depuis le début de ma chaîne, je pense. Et petit à petit, je vais me mettre dans mon coin interne. Je fais pas quelque chose de trop haut parce que je vais venir dégrader avec une autre couleur après. Et j'étire ici. Je viens ensuite dégrader avec YZO, qui est une sorte de menthe. Donc je prends un autre pinceau et je me mets au-dessus pour dégrader et créer un fondu parce que là c'est juste une barre. J'en profite pour étirer un peu hop, ma forme en direction des tempes. C'est plus facile de faire ça avec la teinte de transition parce que ce sera plus subtil. Et ensuite, je viens venir intensifier avec la teinte Mood qui est un bleu marine, toujours mat et... Je sais plus si je vous ai dit, je prends un plus petit pinceau et je vais mettre vraiment à la base pour intensifier, mais sans bouffer mon turquoise. C'est juste pour apporter un tout petit peu de profondeur. Je m'en fiche de déborder en dessous parce que je vais venir nettoyer après et faire et préciser ma forme. Donc là, j'ai quelque chose qui ressemble un peu à une barre, donc je vais reprendre mon pinceau du turquoise d'avant, j'ai remis un tout petit peu de matière, j'ai trempé genre tout comme ça mon pinceau et je vais repasser un peu par dessus pour essayer de les fondre toutes les deux ensemble sans les mélanger. C'est ça la difficulté, c'est que il faut pas mélanger les teintes, faut vraiment qu'il nous reste nos trois couleurs visibles mais qu'elles soient dégradées ensemble. Je vais prendre maintenant la teinte Lights Out, qui est donc la teinte noire. Et avec ce petit machin, je vais faire, hop, je vais le positionner comme ça. Et je vais faire un liner avec le fard. Donc j'ai pris un petit pinceau. Je vais pas faire un gros liner parce que je veux dégrader après d'autres teintes. Mais je commence par le noir, comme ça au moins je suis sûre qu'il est là. Je vais m'arrêter à peu près là. Et je vais venir dégrader légèrement en commençant avec mon pinceau ici. C'est juste pour m'aider après pour les autres teintes que je vais appliquer. Faut que ce soit légèrement flou en fait. Je vais prendre ensuite la teinte Nuque, comme Nike mais avec un U. Je vais vite fait repositionner le papier. C'est au cas où je déborde mais en gros j'ai gardé le même pinceau, hein, je l'ai juste essuyé. Hop. Donc j'étends un petit peu ma teinte et pareil je vais venir dégrader légèrement les bords. Je passe ensuite à la teinte The Hype et je vais pareil, venir juxtaposer ma couleur à la première. J'ai gardé toujours le même pinceau hein, que j'ai essuyé. Je continue de la même manière avec Ecstasy. Même pinceau, toujours. Là, je vais carrément me coller au bleu. Hop.
Je vais prendre un petit peu du orange qui est juste là, qui s'appelle Lit. En fait, non, je vais pas prendre l'orange, je vais le mettre après. D'abord, je vais mettre le rose que je vais mettre. Parce qu'en fait, je vais mettre celui-ci, le Pep Talk, mais vous savez que le vert, ça va pas bien se mélanger. Donc entre les deux, je vais mettre un peu d'orange, mais je veux voir avant ça où je le pose. Voilà, donc je préfère faire le rose avant. Pour le coup, je change de pinceau parce que la zone est un peu plus large et que je ne peux pas passer du vert au rose. Et je vais l'appliquer sur toute la partie restante. Écoutez, c'est pas mal hein, finalement, comme ça, sans dégrader, mais je vais quand même peut-être un tout petit peu dégrader. Je vais prendre la teinte... Bah, je vais rester sur l'île, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu... Écoutez, je vais mélanger ces deux-là. Parce que je veux un orange un peu plus clair, parce qu'il est quand même ultra intense. Comme ça, je me mets juste à la jonction entre les deux. Ouf. Est-ce que c'est vraiment utile? Non, je pense pas. Par contre, je peux mettre un peu de jaune. Je pense que je vais mettre le jaune. C'est la teinte Kin. Ce serait peut-être un peu plus joli. Ouais, c'est un peu mieux. Là, ça apporte un vrai truc, mais je veux pas bouffer mon verre. Donc je vais m'arrêter là. Je vais faire juste, ouais, juste un peu de jaune ici. Parce que le jaune, il est légèrement orangé dans cette palette, donc c'est parfait. Après, jaune normal, ça aurait été aussi. Hein. Pour mon dessoudé, je suis un peu mitigée. Je pense que je vais continuer les verts ici. Je vais reprendre donc les mêmes teintes. Je commence par le vert foncé, je mettrai le noir par-dessus après pour pas que ce soit trop foncé. Je vais aller jusque aux deux tiers. Puis je dégrade avec The Hype. Et je finis avec Ecstasy pour vraiment... Ah, je trouve vraiment que cette teinte-là, elle fait tout. Franchement, c'est ma teinte préférée de la palette, je l'adore. Et je termine avec le noir, donc uniquement sur la partie externe ici. Je vais pas faire toute la surface. Je vais seulement faire, hop, la moitié, on va dire. Et dans mon coin interne, juste là, je vais appliquer la teinte Foolish, qui est le corail. Juste enlever les résidus de lit que j'ai mis tout à l'heure. Juste prolonger ici. Et descendre un petit peu. Je sais pas si c'était une bonne idée. Ouf. Non, ça va. Du coup, je vais prendre la teinte la plus brillante de la palette Too Faced. Et je vais appliquer par-dessus. Ah, oh, ça marque pas. C'est pas assez collant. Bon, ça apporte pas grand-chose, mais... Pour le liner, j'avais ressorti mes palettes Suva Beauty. Bon, que j'ai jamais trop arrêté d'utiliser, mais je pense que ça fait plus d'un an que je n'ai pas utilisé celles-ci. Elles sont vraiment très bien. Ce sont des liners que je m'étais dit, je vais faire peut-être des liners, mais finalement non, je pense que le maquillage il est assez compliqué comme ça pour le moment. Je vais prendre cette palette là et je vais utiliser le noir qui est dedans, tout simplement. Il y a plein de paillettes, je sais pas ce que j'ai fait avec. Donc faut humidifier, moi je prends mon petit flacon avec mon eau et je vais tout simplement tracer mon liner en suivant la forme que j'ai fait avec mon fard. Moi, j'ai même pas eu besoin de l'étirer finalement. Et pour le mascara, j'ai... je sais même pas si je l'ai déjà utilisé dans ma vie. Mais en cherchant dans mes mascaras, j'ai trouvé celui-ci. C'est le Catrice Glam & Doll. Qui était hyper tendance il y a vraiment des années. Je pense que j'ai dû l'utiliser peut-être une fois. Mais pareil, moi, les mascaras, comme je mets beaucoup de fossiles, je change beaucoup. Et puis voilà, j'ai pas forcément de mascara fétiche, même s'il y en a plein que j'aime bien. Ah oui, il a une bosse en silicone, mais je pense que je l'ai déjà mis. Hein. Mais c'est vrai que celui-ci, on en entendait tout le temps parler à un moment donné. Bah, quand c'était pas un métier d'être influenceur encore, je crois. Hein. Donc c'est pour vous dire, ça fait très longtemps. Il doit être un peu sec, non? Je pense qu'il est un petit peu sec. Ou alors la texture est très épaisse comme ça et c'est normal. Après, je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais ajouter des fossiles hein, par-dessus. En tout cas, la brosse, j'aime bien. Je la trouve quand même très très dure. Donc ça sépare bien les cils, mais faut pas se blesser. C'est un peu comme la brosse du Benefit là. Je sais plus lequel, le Bad Gal, je crois, qui pique à mort. Bon, il est pas mal, mais je pense que ma formule est sèche. Mais j'aime bien la brosse. J'ai terminé le maquillage en mettant mes fossiles et c'est les fossiles que je mettais tout le temps à un moment donné. C'est les So Hollywood de chez Anastasia Beverly Hills. Je les adore. J'ai mis du crayon noir, muqueuse supérieure, crayon rose, muqueuse inférieure et j'ai rajouté un petit strass ici.
Voilà, parce que je trouvais que c'était mignon. Et pour les lèvres, j'ai ressorti le crayon, le fameux Dose of Color, que je mettais tout le temps pareil. Franchement, j'ai l'impression de répéter tellement dans cette vidéo, je suis désolée. C'est le Casual. Est-ce que vous vous rappelez de ce crayon? Il était tout le temps en rupture en plus à un moment donné. Et je l'adore, je suis trop contente de l'avoir retrouvé. C'est exactement la bonne couleur, la même couleur que mes lèvres. Et j'ai ressorti le fameux Pure Hollywood de chez Anastasia, le rouge à lèvres liquide. Et je sais pas si vous vous rappelez, quand ils sont sortis ces rouges à lèvres, c'était la folie. Et ça m'a rendu un peu nostalgique parce que je me suis dit, c'était tellement bien cette époque où le maquillage... Enfin bref, je sais pas, mais l'époque où vraiment ça s'est sorti, c'était tellement la folie, ça a été en rupture, mais direct. Je me rappelle, j'attendais, je rafraîchissais la page et tout pour les acheter. Donc la teinte Pure Hollywood, je l'aime trop, c'est une teinte super populaire. Et je l'ai mélangée avec un violet foncé, mais je l'ai pas retrouvé pour vous montrer la couleur que ça a donné, c'était trop bien. Mais du coup, je vais l'utiliser tout seul. Je l'applique comme ça avec mon doigt, parce que je vais mettre un gloss par-dessus, donc je veux pas qu'il y ait trop d'épaisseur. J'aimais tellement cette teinte. Et pour le gloss, alors je voulais trouver les White Cherry que je mettais tout le temps, pareil à un moment donné. Le Baby Cherry, je sais que je l'ai parce que je l'ai utilisé il y a pas longtemps, mais il doit être dans un sac, mais je sais pas lequel parce que j'ai pas utilisé de sac depuis un moment. Donc je le retrouverai peut-être un jour, mais en attendant, c'était un rose pâle, vraiment pastel, que j'aime trop. Et j'ai pris le Naked Cherry, qui est une teinte aussi que je mettais beaucoup, enfin que j'aime bien. Il est un peu périmé, mais c'est pas grave. Et pour le fixateur, j'ai ressorti le Morph, qui est franchement un de mes préférés. J'ai ressorti celui de chez Jeffree Star à la fraise, parce que de mémoire, j'aimais pas trop l'odeur. J'aime bien le produit, mais j'aimais pas trop l'odeur, donc je veux vérifier si vraiment je trouve qu'il pue. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Ouais, horrible. Vraiment, il sent pas bon du tout. Il sent vraiment la fraise chimique. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la barre d'infos et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.